Bonjour à tous, c'est Célia. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la découverte d'un jeu, qui est auto-publié, l'Oracle, la tête dans les nuages. Alors, il a été publié par Lana Shine et les illustrations sont de Nogara. C'est une première édition que je vous présente ici. Et il arrive dans un pochon organza, alors qui ici est aux couleurs de Noël parce que je l'ai reçu à Noël. Mais sinon, vous avez un pochon uni qui arrive avec le jeu. Alors, je vous ai déjà présenté un jeu de Lana Shine et de Nogara. C'est leur deuxième jeu qu'elles font ensemble. Et il est tout aussi joli que le premier. Vous allez voir, vous allez reconnaître les illustrations, le style, si vous vous souvenez avoir vu ma première review de leur tout premier jeu. Alors, on a un livret, comme ceci, en noir et blanc, qui a la même présentation d'ailleurs que le premier. On a une description de l'oracle, une présentation des différents tirages. On a un tirage à 2 cartes, à 6 cartes, à 9 cartes qui est présenté. Donc on a ici 2 cartes, 6 cartes et le carré de 9 cartes. On a une présentation de l'auteur, de la dessinatrice et ensuite on arrive à la signification des cartes. Vous avez la reprise d'un bout de l'illustration en haut et la signification juste en dessous avec des mots-clés. Donc on a ça pour toutes les cartes. Ce que je ferai, c'est qu'on fera un petit tirage à 2 cartes pour que je puisse vous lire le livret et que vous ayez comme ça le style d'écriture. Vous voyez si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si ça vous parle. Voilà. Et on a ensuite à la fin les remerciements. Alors je vais vous montrer les cartes. Je vais juste retirer le pochon en dessous. Voilà. Le dos des cartes. Et comme ceci, donc on est dans des tons de nuages roses. On a le ciel est bleu, insouciance, légèreté, gratitude. Être sur un petit nuage, protection, souvenir, guidance céleste. Nuage végétal, profiter, candeur, fêter le fait d'être vivant. Du temps perdu, le temps perdu, pardon. C'est sympa parce que du coup sur les cartes, on a à chaque fois l'illustration vraiment en grande, en pleine page, moi j'adore ça. Et le texte qui est juste en dessous avec trois petits mots-clés. Et c'est pas mal parce que du coup ça vous permet de pas toujours avoir pouvoir faire sans le livret aussi. Et les images comme ça en grande page vous permettent vraiment de plonger dedans. C'est quelque chose que j'aime beaucoup quand ça mange pas l'image. Et là, ça mange pas du tout l'image. Enfin, c'est pas gênant pour lire l'illustration. On a des belles couleurs aussi qui sont faites en infographie. C'est un jeu qui, comme leur premier jeu, en fait, est très doux, très tendre. Il y a beaucoup de douceur qui se dégage de leur jeu. Mental orageux, mal orageux, pardon. Les amoureux des nuages, les nuages noirs, l'amour à travers les nuages. Destinée céleste, observer le ciel, protection céleste, famille d'âme, vivez l'instant, nuage nacré, divine prudence, tourbillon nuageux, cœur de nuage, rose nébuleuse. Au-dessus des nuages, il y a pas mal de cartes, hein, vous voyez. Partage céleste, les anges des nuages, retrouvailles céleste, ours nuage, le paradis blanc, le petit prince des nuages, nébuleuse mascarade, balancelle des nuages, nuage bleu, divine intention. Nuage gris, liberté céleste, arc-en-ciel des nuages, la rose, la roue des nuages, pardon, le petit bal perdu. Donc il y a 46 cartes, on va tirer une carte, deux cartes au hasard, donc je vous laisse vous concentrer. Ce sont des cartes qui glissent bien, elles ont un fini brillant. Qui glissent bien, c'est doux, c'est sympa.
elles sont un petit peu grandes, par contre, elles sont un peu hautes. Moi, j'ai du mal là à les battre. Alors. La première carte. Et la deuxième carte. Alors. Pour la première carte, on a le petit prince des nuages et pour la deuxième, on a observé le ciel. Donc je vais vous lire ce qui est écrit pour la première. Le petit prince des nuages. Je veux capter des ondes venues d'un autre monde. J'ai jamais eu les pieds sur terre. Extrait de SOS d'un terrien en détresse de Balavoine. Vous avez besoin de cultiver votre différence. Vous devez vous sentir, vous servir de vos atouts et de votre singularité pour avancer. Vous avez la chance d'être différent, osez être qui vous êtes vraiment. Exprimez votre véritable personnalité, cessez de jouer un rôle pour vous conformer aux normes, soyez authentique, soyez vous-même, et tant pis si cela choque ou déstabilise vos amis, vos proches ou votre communauté. N'ayez pas peur d'exprimer qui vous êtes vraiment au-delà des codes et des normes de notre société. Reconnaître en soi ces particularités qui font que chaque être humain est singulier. On a cultivé sa différence, don inné et osé être soi. Pour la deuxième carte, on a observé le ciel en 22. Observer le ciel. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps que sera ma vie ? Extrait de Et maintenant de Gilbert Bécaud. Questionnement, interrogation, le temps est à l'introspection et au bilan. Qu'avez-vous fait jusqu'à présent? Êtes-vous satisfait du chemin parcouru? Faites une pause. Où allez-vous? Où courez-vous? Vers quel chemin voulez-vous aller? Quelle contrée voulez-vous explorer? Après avoir fait le bilan sur vos objectifs atteints ou non, demandez-vous quel nouveau projet voulez-vous voir se réaliser dans votre vie. Les mots-clés, donc c'est pause, questionnement et doute. Voilà, voilà pour ces deux cartes, voilà pour ce joli oracle. Moi j'aime beaucoup les oracles que font Lana Shine et Nogara. En tout cas le premier, je l'ai pas mal utilisé et il était assez pertinent. Je vais pouvoir m'amuser avec le second comme ça. Mais j'aime beaucoup en tout cas le style graphisme, les illustrations, la douceur. C'est vraiment un aura qui dégage pas mal de douceur et moi j'aime beaucoup ça. Je trouve qu'on en a besoin dans notre monde de cette douceur-là. Voilà, je vous souhaite à tous une très très belle journée. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye !